1, 2, 3. C'est bon? Je sais pas si ça vous fait, mais moi ça me prend un trip. Ouais, mais c'est vrai que j'avais un ami qui est malheureusement décédé, et quand j'allais chez lui, il le chantait, et en plus, je l'aime beaucoup ce chant. Ça parle, vraiment, ça prend un trip, et en plus, ça me rappelle mon ami qui est décédé malheureusement il y a quelques années. Bon, en tout cas, ravie de vous accueillir, monsieur le président de cette association Bresse 5 sur 5. Nous avons pris une délibération au conseil municipal, c'était début d'année. Le temps passe vite, je ne sais plus exactement quand, mais je crois que c'est en début d'année. J'ai fait un tour de table, ils en ont tous d'accord pour me dire, parce qu'il y a pas mal de conseillers municipaux qui sont là avec moi. Je crois que ça n'a pas fait beaucoup de débat, si ce n'est que nous étions un peu tous d'accord pour dire que c'était une excellente idée que de faire partie des vôtres, tous ensemble pour cette Bretagne réunie, cette Bretagne à 5 que nous souhaitons tous, puisque la Bretagne à 5, c'est la Bretagne d'hier, la Bretagne historique, la Bretagne d'aujourd'hui, et sans doute, et j'espère, la Bretagne de demain. Donc c'est vrai que dans cette délibération, c'est assez symbolique, mais ça montre en tout cas tout notre attachement à tous. Et je regarde les élus parce que c'est vrai que c'est notre volonté à tous de faire partie et d'avoir cette volonté, d'avoir... cette signalétique importante, hein, parce que ça montre notre attachement à la Bretagne 5 sur 5, 5, oui, 5 sur 5, que dire qu'on est vraiment breton et qu'on est fiers de l'être et qu'on ben, voudrait bien que nos amis du département 44 nous rejoignent ou fassent en sorte qu'ils puissent nous rejoindre. Voilà, on ne va pas disserter là-dessus, hein, ce n'est pas le sujet, mais en tous les cas, je pense qu'un jour, on leur donnerait la possibilité. En tous les cas, ils sont avec nous quand même, parce qu'on travaille régulièrement avec des entreprises de la Loire-Atlantique. Et on sait aussi leur attachement pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, de travailler sur notre territoire et ils aiment beaucoup la Bretagne. Donc voilà, moi je suis vraiment très heureuse. C'est symbolique aujourd'hui. On a des champs bretons, on va avoir le Brogoz. Hein, et puis on est là quand même un certain nombre réunis pour dire tout notre attachement à cette Bretagne historique, cette Bretagne qui nous tient tant à cœur avec toutes ses valeurs,
voilà, on se rassemble autour de cette idée de la Bretagne dont nous sommes évidemment tous fiers. Là, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous expliquer voilà, pourquoi vous avez fait ça, la genèse un petit peu certainement de votre mouvement. Et puis aujourd'hui, un certain nombre de villes comme la nôtre qui se sont associées à cette démarche pour montrer. Bonjour à tous. Donc, je voulais tout d'abord remercier Madame la maire et le conseil municipal d'avoir suivi la démarche Breil-Saint-sur-Sainte et d'avoir organisé cette cérémonie. Donc, je vais vous rappeler un petit peu dans l'historique de l'association Breil-Saint-sur-Sainte. Le but, c'est simplement de mettre la volonté des Bretons, c'est-à-dire 70% des Bretons des 5 départements, qui veulent cette Bretagne à 5 départements, donc mettre cette volonté sur la voie publique. Donc c'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui donc, dans ce cadre-là, au niveau des collectivités. On est donc à l'heure actuelle à 64 communes qui avons posé donc, ce type de panneaux. On a dépassé les 236 panneaux installés. Donc pour donner un petit peu la volumétrie des communes, les 64 communes, en termes de population, représentent plus que la métropole de Rennes. C'est pour donner un chiffre du poids hein, des communes Breil-Saint-sur-Sainte. Donc, en l'occurrence, on a bien sûr Saint-Brieuc, mais au préalable, on avait déjà Quimper. On a eu Vannes l'été dernier, donc les trois chefs, chefs-lieux de département. Et autrement, on a des communes très diverses, hein, parce qu'on a l'île de Saint, 200 habitants. Pontivy, bien sûr, je ne peux pas oublier, qui nous accueille tous les ans pour les rencontres Breil-Saint-sur-Sainte dans le Palais des Congrès. Donc, un des aspects donc, de l'association Breil-Saint-sur-Sainte, c'est d'afficher cette volonté au niveau des collectivités, au niveau des particuliers, c'est pour ça qu'on a tout le merchandising classique dans le domaine, les t-shirts, les autocollants, etc. On s'intéresse aussi au monde culturel. Il faut savoir qu'ici, par exemple, la maison de la culture Télène a été une des premières des maisons de la culture de Bretagne à s'afficher Breil-Saint-sur-Sainte, sachant qu'à l'heure actuelle, on a dépassé donc, la douzaine. Et on a en particulier ACD 44 à Nantes et la maison aussi de la culture à Saint-Herblain. On a de nombreux musiciens, on a des bagades, on a des écrivains, des artistes qui s'affichent au 5 sur 5. Autre volet, c'est le monde économique. Donc on est partenaire de Produits en Bretagne et un autre partenaire de poids, donc avec Jean Hugo, donc le Bretagne de Prospective qui est représenté aujourd'hui par Annie Vitt. Et qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Voilà, qui s'excusera de ne pas être disponible. Donc, avec Bretagne Prospective, donc on organise, donc, je le disais tout à l'heure, tous les ans, donc, des rencontres dans les 5 sur 5. Le but étant que tous les gens qui construisent quelque chose pour que cette Bretagne à 5 vive, se rencontrent, puissent partager leur expérience et s'entraider pour construire de nouvelles choses pour faire vivre cette Bretagne à 5. C'est ça le but des rencontres. Donc les prochaines, là, c'est le 8 novembre, toujours à Pontivy, c'est central. Hein, ouais, c'est pour ça qu'on choisit Pontivy. Donc, je suis à votre disposition pour avoir plus d'informations, si vous le souhaitez. Et donc, merci encore de nous avoir accueillis aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez dit, mais c'est important, on a voulu que le premier panneau soit ici, à côté de la maison Thiernebeau, la maison des cultures de Bretagne. C'est extrêmement important, on a voulu, et M. Joncourt l'avait souhaité, donc elle existe depuis combien de temps maintenant, je ne sais plus, on passe vite. 3-4, en tous les cas, voilà, elle vit, et c'était symbolique pour nous, en tout cas, de vous accueillir ici même, et de mettre le premier panneau de cette belle association ici. En plus, je ne sais pas, le graphiste est vraiment très bon, puisque je trouve que les panneaux sont très bons. Ça, voilà, je trouve qu'ils sont très bien réussis. C'est important aussi, hein, tout le que vous avez choisi un bel artiste pour le faire. Et maintenant... Omega Maro.
Oh,